Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit haul, la fourmi créative. J'ai commandé dessus créative, pardon. J'ai commandé car en fait, j'ai eu des sous pour Noël, par le Papa Noël. Et donc, en fait, j'avais envie d'investir dans une petite guillotine pour couper le papier. Donc, la voici, j'ai pris celle-ci de la marque Artemio. Donc, à tester. J'espère que ça coupe bien. Ensuite, j'ai pris des petites lames de recharge pour mon massicot parce que je les mange. En cadeau, je ne vous ai pas montré, mais j'ai eu ça. Donc, plutôt pas mal parce que d'habitude, la fourmi créative, je suis pas très... J'aime pas trop les cadeaux qu'ils offrent. Donc là, pourquoi pas, à tester aussi. J'ai pris ce pot de colle. Donc, en fait, parce que Maric Scrap, Maric l'utilise et elle dit qu'au niveau qualité-prix, elle est très bien. Donc, j'ai envie de tester. Voilà, j'ai pris 10 petites flippettes bleues. Ensuite, j'ai pris la collection de papier de Florilège. Donc, j'hésitais. Et puis, finalement, en la voyant sur d'autres hauls, ça m'a donné envie. Donc, vous avez 8 papiers imprimés. Alors, je vous enlève parce qu'en fait, j'en prends toujours en plus. Bon, c'est pas grave, je vais vous montrer. Donc, vous avez 8 papiers, comme je vous disais, imprimés avec une planche d'étiquette. Donc, moi, pour compléter, j'ai pris une feuille de la collection, de la même collection, mais des papiers unis. Elle fait un petit aussi, ce qui est bien, comme ça on est sûr d'avoir les mêmes couleurs. Donc dans les tons rouges, bordeaux, et dans les tons un petit peu vert sapin. Donc vous avez un côté aquarelle et un côté uni. Donc dans le paquet, il y avait un échéancier, pas un échéancier, un échantillon, pardon. Donc toujours pareil, voilà. Donc alors, je pense que les papiers, vous les avez déjà vus, mais je vous les montre quand même. Donc là, vous avez des étiquettes. Au dos, un fond bleu avec des ronds. Celui-ci. Donc là, je l'adore. D'ailleurs, je l'ai repris en deux fois. Donc celle-ci, là, le papier froissé, j'aime beaucoup aussi. Ça, j'aime moins, mais bon, pourquoi pas. Voilà, alors celle-ci, elle est top. Mais alors, comment la découper? À réfléchir. Celle-ci, donc vous avez des mots à découper et des étiquettes. Là également, mais plus grandes. Là, un effet laine. Des étiquettes. Celle-ci, je l'adore. C'est pourquoi je l'ai prise en deux fois. Donc voilà. Et vous avez celle-ci qui est magnifique aussi. Alors là, l'effet bois, je l'ai pris en deux fois aussi, j'adore. Donc celle-ci, je vous l'avais montré. Celle-ci aussi. Donc vous voyez, hein, je vous disais, en fait, moi, pour faire un album, et là, voilà, la deuxième. Si ça a 8 papiers, ça ne me suffit pas. Hein. Il m'en faut au moins 10-12 minimum. Donc voilà. Donc c'était un petit haul, mais moi, je me suis fait plaisir. Voilà, merci Père Noël. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.